spectateurs qui nous suivent à travers le monde. Welcome to everybody watching around the world on PunchingGriz.com, ESPN Knockout et Fight Nation. Sans oublier Fox Sports. Accueillons Ronnie Elianero Landaeta. Ronnie Landaeta qui se dirige vers le ring. Et dans le cas de Christian Billy, on s'attend à une bonne adversité ce soir. Et Jean-Philippe Landaeta ne s'est jamais fait mis hors de par knockout, n'est jamais perdu par knockout. Mais ce sera tout un défi dans un petit ring pour lui de pouvoir se déplacer. Un style maladroit tenterait de causer une énorme surprise ce soir. Christian Soled Mbele. Je parlais de la résistance de Landaeta. Dans le camp d'Mbili, 18 victoires, dont 17 par mise hors de combat. Et oui, ça fait 9 combats de suite pour Mbili disputé à l'extérieur du Québec. Très heureux de retour et de voir faire une impression ce soir. Si on pense qu'il est un futur champion du monde, il doit gagner de façon décisive ce soir face à Landaeta. Absolument. Démontrer qu'il appartient à l'élite mondiale. Son premier combat en sol québécois sous l'égide d'Air de Tiger Management. Les juges pour ce combat de championnat, Guy Girard, Sylvain Leblanc et Benoît Roussel. L'arbitre, the referee, Junior Padulo. Mesdames et messieurs, 10 rounds de boxe pour le championnat de la WBC continentale des Amériques. Ladies and gentlemen, 10 rounds of boxing. WBC Continental of America's Super Middleweight Title on the line. Présentant tout premièrement, introducing first, 167.8 livres à la pesée. Scaled in, ready, fighting 167.8 pounds at the scale. Fiche professionnelle. Excellent. 18 victoires en 21 sorties avec 11 victoires par mise hors de combat. Pro record, an excellent one. 18 wins in 21 outings as a professional with 11 big wins coming by way of knockout. Il est l'ex-titulaire de la IBF internationale chez les super moyens. Introducing the former IBF International Super Middleweight Champion de Barcelone en Espagne, Ronnie Elianero Landaeta. Son adversaire en point rouge, 167.8 livres à la pesée, a solid 167.8 pounds at the scale. Fiche professionnelle, exceptionnelle. 18 victoires, 17 par mise hors de combat. Pro record, an exceptional one. 18 wins, 17 big ones, coming by way of knockout. Il est invaincu, he is undefeated, de Montréal, Christian Soled Mbele. L'arbitre de referee, Junior Padulo. Boys, tu as reçu des instructions, you receive instructions. Protège tout le tempo. On se protège en touchant. Keep it clean. Good luck, boys.
C'est l'expérience face à la jeunesse ce soir. Mbili a aussi un avantage avec la portée. Combat que plusieurs croient va aller quelques rondes, mais solide peut-être d'autres plans en tête. Oui, pour lequel le championnat WBC continental des Amériques chez les super moyens est à l'enjeu. Christian Mbili qui, comme on le mentionnait, c'est pas de son premier combat en sol québécois depuis qu'il s'est joint à Eye of the Tiger Management. On voit aucune crainte de la part de Landetta en début de combat. Il initie les attaques. Bonne combinaison au corps, là. Oui, deux coups consécutifs. Landetta, vous allez voir un style plus ouvert, tente de bouger souvent avec le jeu de pied. Donc la contre-attaque sera une option définitivement pour Mbili. Tu mentionnais l'expérience contre la jeunesse. C'est intéressant de voir si Landetta sera en mesure de maintenir la cadence. C'était un combat de 6 rondes au mois d'août. Donc, les frères n'ont pas arrêté, dans le fond, après un combat, retourner tout de suite à l'entraînement. Mbili, son premier combat depuis le mois d'avril, mais dans le gymnase tous les jours. Ouais, Christian Mbili qui... On sent lorsqu'il frappe, c'est solide. Le défensivement bloque bien les coups de Landetta jusqu'à présent et l'attaque au corps. Et quand Landetta est dans les cordes, c'est pas une bonne idée pour lui. Du propre aveu de Marc Ramsey, en voyant Landetta un adversaire encore plus coriace que Nick Brinson, qui à la base était supposé affronter Christian Mbili. Oui, un seul complément différent. Et on avait considéré Landetta comme un adversaire pour David Lemieux à l'époque également. Le combat n'a pas eu lieu. Mais on connaît la force de frappe de David Lemieux. Donc, si on pense que Landetta pouvait résister à Lemieux, c'est tout un test également pour la force de frappe d'Mbili. Belle droite de la porte d'Mbili qui a atteint Landetta. En cas d'Mbili, on le disait, pas une victoire, une victoire, mais une performance convaincante ce soir. Ce que j'aime d'Mbili, c'est qu'il va quand même attaquer au corps constamment. Il n'attend pas nécessairement juste un coup de puissance. Il est très actif pour un super moyen. Oh! Il vient d'atteindre solidement Landetta avec une bonne main arrière. Landetta réplique par contre après. Clairement, il n'est pas intimidé. Mais le manque de vitesse... Faire en sorte qu'Mbili gagne cette ronde jusqu'à présent. Ce sera quoi, Matt, ce soir, plus de 10 secondes à faire dans ce round? Bon, ici, je pense qu'on peut être très content du point de Mbili avec ce premier round. Fallait de solides combinaisons au corps. Landetta est reconnu comme étant un boxeur résistant. Donc, on va voir justement l'effet saillant de ce premier assaut, dis-je bien. Bonne main arrière là, de Christian Mbili. Oui. Landetta a quand même bien réagi. Il n'a pas été branlé dans le premier round. Mais je pense que l'investissement au corps va porter fruit plus que les rounds avancent. Le jab d'Mbili aussi, un jab puissant. Et après, concentration défensivement, la main droite, par exemple, on voit Landetta la lance en style prochain, un peu plus qu'il dirait. Oui. Marc Ramsey animé dans le coin, toujours avec des consignes directes, claires et pour. Marc Ramsey qui était justement en entrevue avec notre collègue Andy. Marc Ramsey maintenant directeur du développement et entraîneur principal chez Eye of the Tiger. Pour Marc Ramsey, ce n'est pas juste le recrutement et le développement, mais c'est trouver des espoirs olympiens comme Mbili de la France. Des fois, des espoirs que j'ai signés après que Top Rank et les autres promoteurs américains ont fait leur tour. Des épisodes comme les Alvarez, Rivas, Arthur Berterbiev et Mbili et Makhmoudov, tout à l'honneur de Marc Ramsey. Oui, qui appartient à l'élite. Et justement, parlant de l'élite, ce sera quoi les clés de la victoire pour Christian Mbili dans le combat de ce soir? Donc, c'est certain que jusqu'à présent, là, la façon dont Mbili exécute le plan de match de Marc Ramsey, des coups au corps
en font partie de la stratégie et surtout aussi de bien mettre la pression. Et Billy fait un bon travail jusqu'à présent de couper le ring, ne pas laisser Landetta se promener. Ouais, vraiment. Du côté de Ronnie Landetta, ben écoute, tu parlais de l'importance de bouger. Les bonnes combinaisons, là, Christian Mbili qui ne ralentit pas la cadence. C'est ça que Mbili, avec le volume, le coup de poing, la précision et le fait que Landetta n'est pas en mesure, chaque fois qu'il essaie de se déplacer, pour Mbili est déjà devant lui. Et là, la chute au tapis. Mais c'est Landetta est tenté d'agripper Mbili, il est tombé en même temps. Il joue un peu la comédie, je crois, ici. Là. C'était nébuleux, là. La foule ne semble pas avoir apprécié non plus. Mais on va considérer ça une chute au tapis officiel. Donc, ouais. Déjà, pour Mbili, Landetta croit que c'était en arrière, de l'oreille en arrière de la tête, mais c'était dû au fait qu'il s'est penché pour venir agripper. Donc, c'est un coup légal dans ce cas-là. Et c'est probablement pas bon signe pour Landetta. Non, surtout tôt dans le combat comme ça, là. On voit la pression d'Mbili efficace. Ah oui, jab. On sort, bonne main arrière, là, qui atteint solidement Landetta. Donc Mbili, c'est compliqué. Il recule un petit step back en arrière et suit directement avec la main droite. Landetta, habituellement, avec le haut score, est-ce qu'il veut que ça? Mais il n'est pas de combinaison encore, là. C'est parce que c'est ça. Mbili, lance véritablement souvent ses coups. Landetta ne sait pas quelle angle anticiper. Une bonne combinaison encore d'Mbili. Un peu côté de crochet de gauche. Évidemment, on peut comprendre Landetta de tenter de gagner de précieuses secondes. On croyait que ça allait être un combat qui allait dépasser les 8 rondes selon les experts, mais c'est certain que jusqu'à présent, Mbili est en train de dominer d'une façon. Ah oui, là, Landetta semble dans le pétrin. Mbili doit demeurer quand même vigilant. Landetta, c'est un vétéran, a été atteint dans les derniers échanges. Mais une ronde 18 en faveur d'Mbili grâce à la chute. Tenter de dire qu'il a été sauvé par la cloche, Landetta. Donc, on va revoir justement la solide main arrière. Là. Ici, un crochet de gauche, combinaison attaque. Landetta, ça va s'en venir dans un peu plus tard, l'échange. Et là, bon, ici, c'est mal, voilà, bon, donc, honnêtement, c'est une chute plus qu'un knockdown. Et après ça, Mbili a continué à mettre la pression. Donc, officiellement, une chute au tapis par l'arbitre. Mais c'était plus Landetta qui trébuchait en essayant d'agripper Mbili, mais une domination quand même complète du round pour Mbili. Et au coin de Landetta, là, on sent, on essaie de le garder concentré le plus possible. Mais Mbili est en plein contrôle. Oh oui, vraiment. Et là, moi, je serais curieux. En tout cas, je suis curieux de voir. Mbili saura reprendre là où il l'a laissé au précédent. Mais là, j'en ai notre réponse. Quelle main arrière! La main droite, par réflexe, a voulu. Ah, c'est une question de temps, là. Parce que, on va voir aussi l'arbitre, Zorin Junior, Pazulo. Ah oui. Restez encore une fois. Ah oui, une bonne droite, là, une combinaison au corps, à la tête. En étant, on a plein les bras. Certains qu'on va donner un peu le bénéfice tout à Landetta, compte tenu qu'il n'a jamais perdu par knockout, mais il a mal en ce moment. Aïe, aïe, aïe. Terminé. Ah, c'est terminé. Ah, c'est terminé. Landetta a décidé d'aller dos au câble. C'est un mauvais signe. Et avec ce qu'on a vu dans les dernières semaines du monde de la boxe, on va être prudent. C'est une bonne décision d'arrêt de l'arbitre. On va redoubler de prudence, assurément. Écoute, Matt, dès le début du round, la solide droite de Landetta. Je suis étonné qu'il n'ait pas tombé au tapis immédiatement. Et le proteste aurait aimé avoir un décompte, mais pas nécessairement l'arrêt du combat. Mais comme tu l'as si bien mentionné, là, on va ça, voir justement à la reprise. Là. Ça a pris moins de 10 secondes pour la main droite encore direct. Il va venir atteindre Landetta. Boom. Aïe, aïe, aïe. Et là, Landetta agrippe. La dernière corde, il a mal, tente de survivre un peu et un peu plus tard, va aller en dessous des cordes et l'arbitre Jean Pascoe avec le manque d'attaque de Landetta va décider de se terminer. Il varie ses coups, Mbili. Il va devoir changer de surnom. Solide n'est pas assez
impressionnant comme surnom, car Christian Billy jusqu'à présent est vraiment au-delà de solide. Excessivement impressionnant comme victoire. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Écoute, t'as été l'instigateur dès le début du combat. Dès le début du combat, a imposé son rythme, a été en contrôle. C'est pour ça qu'on disait que Landetta sur papier, son expérience, on croyait faire plusieurs rondes, mais Billy est tellement rendu à un niveau impressionnant en termes de talent et discipline que ça pouvait se terminer beaucoup plus rapidement qu'anticipé, et ça a été le cas. Et je pense que 7e présentement chez les WBC risque de faire son entrée dans le top 15 la semaine prochaine, ce qui veut dire se rapproche éventuellement d'un titre. Peut être considéré pour une défense optionnelle, mais pas grand monde vont vouloir volontairement défendre leur titre face à Billy, surtout considérant que Canelo Alvarez, qui est le meilleur boxeur livre pour livre, est présentement le champion de la WBC. Il va prendre son temps avec d'autres combats, mais Billy aura une opportunité dans le futur. Ah, certainement, avec des performances comme celle de ce soir, le pro poursuit son ascension, en fait. Continue à démontrer, combat après combat, qu'il appartient à l'élite mondiale. Encore une victoire impressionnante ce soir de la part de Christian Billy. Mesdames et messieurs, chronométrage officiel. 37 secondes du troisième round. Official time, 37 seconds of the third round. L'arbitre Junior Padulo met un terme au combat. Referee Junior Padilla calls a halt to the contest pour votre vainqueur, for your winner, et nouveau champion de la WBC continentale des Américains, the new WBC Continental of America's Super Middleweight Champion, Christian Soleil championnat WBC continental des Amériques, poursuit son ascension chez les super moyens. Le meilleur est à venir dans son cas, là. Et pour Eye of the Tiger, un potentiel futur vedette, parce qu'on considère que Billy a le style, la puissance, le charisme, l'entourage, la discipline, tout ça ensemble fait en sorte qu'il a les atouts pour être un champion du monde et aussi une vedette montante dans la boxe.